couleur après couleur, le fameux carré de soie de la maison Hermès se révèle. Au Palais de la Bourse, la célèbre marque parisienne lève le voile sur ses secrets de fabrication. Jusqu'au 1er juillet, les visiteurs peuvent gratuitement regarder et interroger les artisans. Et parmi les objets élaborés en public, les sacs à main, on vous emmène dans les ateliers de Pierre-Bénite Wilness, le luxe made in Rhône-Alpes. Point par point, les mains expertes cousent le cuir. Une couture sellée à deux aiguilles, un savoir-faire traditionnel. Les gestes sont quasi chirurgicaux. Ici, la technique du parage. Là, par exemple, dans sec, on va devoir superposer trois couches de cuir qui sont toutes doublées. Donc en fait, au final, ça fait six couches de cuir ensemble. Et histoire d'avoir une tranche, un bord fin, on est obligé de travailler en fait en pente pour dégrossir jusqu'à atteindre moins d'un millimètre. Sur le bord pour ensuite pouvoir monter tous nos morceaux ensemble et avoir une finition qui reste fine. Cette autre cellière transforme un clou en une perle lisse, le perlage, une étape tout aussi minutieuse. C'est très délicat parce qu'on peut rayer la plaque. Enfin, il faut faire attention, c'est un geste qu'il faut avoir sûr et il faut être régulier. Enfin, c'est souvent des matières précieuses, il faut faire attention. Les ateliers maroquinerie emploient près de 400 personnes à Pierre-Bénite. Chaque artisan assemble pièce par pièce son propre sac. Un sac comme celui-ci, ça dépend en fait de la taille. Celui sur lequel je travaille actuellement, c'est en une quinzaine d'heures. Ça consiste aussi bien en des opérations de couture, de parage, de montage, mais aussi de pose de bijouterie. Donc on a du travail de sertissage. C'est assez complet en fait. Un savoir-faire acquis dans l'entreprise. On a la chance de travailler avec des savoir-faire formidables dans une maison qui accueille justement les gens qui ne connaissent pas à la base ce métier-là. On leur donne la chance d'apprendre un métier, un métier manuel, artisanal. Travailler des sacs à la main, c'est quand même unique. 1500 artisans travaillent le cuir ou la soie dans toute la région Rhône-Alpes.